À l'âge de 20 ans, Mutatir est au sommet de sa gloire. Étalon à ras du Mézeray, Mutatir, gagnant en son temps du prix Jacques Lemarois sur l'hippodrome de Deauville, est ainsi au sommet des classements des étalons français, que ce soit en plat comme en obstacle. Il a débuté de façon absolument fracassante en donnant 3 gagnants de groupe 1 sur le plat, Morala Cana, Docteur Dino et Satwa Queen. Alors depuis, il enchaîne les gagnants. La liste serait trop longue, bien sûr, pour tous les citer ici. Mais seulement, on va citer Indonésienne pour illustrer sa capacité à donner d'excellents 2 ans, puisque cette pouliche de la famille Vertemer a remporté le prix Marcel Boussac 2013, groupe 1, sur l'hippodrome de Longchamp. Stalking Paris, qui est le meilleur à 150 mètres du poteau, de plus en plus fort Indonésienne, et Flavien Prat à l'extérieur, avec à la corde les Stalking Paris, Indonésienne, le numéro 12, qui prend le meilleur, c'est Indonésienne et Flavien Prat qui vont s'imposer dans ce terme des pouliches. Deuxième place pour les Stalking Paris, troisième place à voir entre la Kazakh Grenade de Queen Catherine, avec à l'extérieur Royal Mania notamment. En 2014, une saison conclue par le groupe 1 de Twin Light en steeple en Irlande, Mutatir s'est illustré avec Hippie dans le Grand Prix de Vichy, groupe 3. Approchez, vive monsieur qui a l'avantage, avec Ipswich qui vient de plus en plus fort à l'extérieur, avec Hippie qui lui porte la victoire, avec Gaga qui est quatrième, avec Hippie qui a pris l'avantage, avec attaqué maintenant par Ipswich, Hippie, Ipswich pour la victoire, Hippie qui va triompher aujourd'hui, le 7 deuxième place pour le 9. Mutatir, pour les éleveurs qui veulent jouer la sécurité, c'est un des étalons qu'ils peuvent considérer dans leur croisement, parce que c'est un étalon hyper confirmé, qui produit chaque année beaucoup de gagnants, que ce soit en plein en obstacle, et des gagnants à des niveaux listed ou groupe. L'année dernière, alors il y a eu Indonésienne en 2013, mais l'année dernière il a eu Hippie. En obstacle, il a eu Selder Rock, qui était un très bon cheval. Mais beaucoup de gagnants, on le voit au niveau de son classement par les gains. Il est toujours dans les 3 premiers étalons stationnés en France. Donc voilà, c'est l'étalon typique pour l'éleveur qui ne veut pas prendre de risques sur un cheval nouveau et qui veut aller sur un cheval confirmé. Valeur sûre du parc étalon français, Commercial, Mutatir, 5e du classement en plat des étalons français selon France Gallo en 2014, aussi efficace en plat qu'en obstacle, père de multiples vainqueurs de groupe 1, fait la monte à 7 000 euros au haras du Mézeray en 2015.